Ouais, donc pour la communauté, c'est une question, c'est pas que parce que moi ça va très très bien. Je vous souhaite une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront 2. Donc je me rends compte que dans la vidéo j'avais pas de son parce que le micro était tout simplement pas assez bien branché après la manette. Donc là maintenant c'est bien branché. Donc on se trouve pour le mode de jeu Assaut Galactique. Donc dans cette vidéo il risque de prendre beaucoup de temps. Parce qu'en fait, je vais tester plusieurs modes de jeu. Parce que voilà. Donc j'ai envie de profiter de cette magnifique qualité pour faire une longue vidéo. Surtout que la première vidéo, je sais pas si elle a été postée sur YouTube, hein, mais bon. Mais bon. Je pense qu'elle a été postée. Non, je le sais. Moi, j'en sais rien. Hein. Je reçois pas une notification par la PS4. Oui, donc aussi les gars, donc dites-moi, préférez-vous la vue première personne ou la vue. Ou la vue, genre comme j'avais, préférez-vous la vue. Non, je prends pas. Préférez-vous la vue première personne ou la vue second personnage? Moi, perso, je vais faire. Moi, je préfère la vue second. Genre, moi, je préfère cette vue-là. Caméra comme ça ou comme. Ouais, comme ça. Donc, moi, je préfère cette vue-là. Parce que, voilà, en même temps. Genre, ça sert à quoi d'avoir un. Ça sert à quoi? D'avoir un personnage ici, si on voit pas quoi. Puis en plus, je trouve ça mieux. Ah! Notre ennemi est en AT-AT, je crois. Donc, comme ça, je suis pas bon. Hein, comme ça, je suis pas non plus bon, mais. Ouais. Donc, les gars, deux fois, on va être en vue pour la personne pour viser comme ça. Donc, si on voit des gens de loin, on va mettre le FPS pour viser. Donc, clairement, les gars. Les potes, n'importe quoi, mais bon. Moi, je dis les gars parce que je suis habitué. Mettez un like si vous aimez la vidéo et dislike si vous n'aimez pas, mais moi je vais créer une vidéo comme ça parce que un youtubeur qui pense une qualité de merde à une de bonne qualité. Oh, c'est moi qui l'ai fait l'envers. Bon ben ok, bon les gars, moi j'en reste avec Dark Vador, donc c'est stylé, on peut être Dark Vador et tout. Donc en plus c'est mes amis qui. Donc c'est sans doute mon jeu préféré, mais tantôt il y aura une vidéo sur Ok, il y a de nouveaux personnages parce que avant je checkais les vidéos mais il n'y avait pas ce personnage-là. On m'entend là, what the fuck? Nous allons capturer le poste de contrôle. Ne relâchez pas la pression. Fuck. Je savais même pas qu'on m'entendait moi. Non, il m'entend fermé tout. Fuck, non. Oh merde, je crois que j'ai fait une merde. Secteur après ça, on va aller dans un groupe. Anéantissez les rebelles. On a l'air de dégager pour attaquer la structure centrale. Oh, pas grave, on peut. Leur base est conçue pour tenir un siège. Mais nous devons y pénétrer avant qu'ils ne puissent tout leur donner. Pirater les commandes des deux portes. Les gars. Ces rebelles ne peuvent pas nous arrêter. Attends. Ah! Donc je vais les voir, il était là-bas. Il est là. Donc voilà. Non, aussi, je vais faire des vidéos sur le mode histoire. Parce que voilà, hein, j'ai ma casquette aujourd'hui et j'ai envie d'en profiter au maximum en plus. Han Solo, c'est moi le capitaine du Faucon Millenium. Han Solo, salut. Salut Han Solo. C'est quoi là, il y a le Faucon Jean Millenium ici? Yo! Piratage de la station. Oh ouais! Les gars, il faut qu'on me gagne un matin, j'y vais. Ils tentent un piratage à distance! J'ai vu les pieds d'un. Oh, je suis fait. Les gars, moi je dis qu'on s'en va sur le. Moi je dis qu'on s'en va sur le Millennium Faucon. Ah, évidemment, si on creve pas. Comme je vous dis, c'est la première fois que je joue à ce jeu. Bon, pas le 3. Oui! Après ça, je vais vous montrer ça fait quoi d'être un héros. Parce que sinon la vidéo elle est un peu nulle, non? Je sais pas. Oh merde. Ouais, donc voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut passer à. On est entré dans la station de contrôle ouest. Piratage en cours. Putain que je suis con, je sais pas c'est pas. Je
ça, on va tester un autre niveau jusqu'à ici. Piratage de la station Est imminent. Ouais, la gauche, je suis nul, hein, mais c'est normal. Eux, en fait, eux, ils ont toutes des cartes étoiles et moi, je suis le seul qui a pas de carte étoile. Pour moi, c'est normal en même temps, j'ai pas d'habilité. Après ça, je vais faire une vidéo sur Fortnite. J'ai envie quoi. On va le mettre parce que j'ai envie. C'est peut-être un live, donc parce que les lives, moi, ça. Je sais pas, ça veut pas. Donc, ça, c'est un allié. On va faire attention. Peut-être qu'il nous fait dessus, moi, je sais pas ce qu'il nous fait dessus, mais je pense que oui. En fait, moi, je suis un grand fan de Star Wars. Donc, évidemment, c'est normal, hein. Genre, je ne t'inquiète pas. J'ai Star Wars, c'est pas Star Wars. Les rebelles ont interrompu le piratage de la station Ouest. Non, mais en fait, on est en train de. Oh, est-ce que c'est Kylo Ren? Oui, Kylo Ren. Oh, Kylo Ren. Ouais, parce que pour eux qui savent pas c'est quoi Star Wars, ça m'étonnerait. Mais en fait, Kylo Ren, c'est très intéressant pour passer cela. Puis, mais en fait, le genre d'avatar, c'est le grand-père de Kylo Ren. Non. Chez le Dark Vador, il y a des ennemis étranglés maintenant. Ah oh ouais, j'allais aller sur le faucon genre Millennium, puis on me démonte ma race. J'ai combien de points? Ouais, parce qu'en fait, pour acheter des caisses puis tout, c'est un système de crédit. Le crédit, c'est comme de l'argent. Donc moi, c'est sûr que je ferai un deuxième épisode, comme je vous dis, sur Let's Play. Donc, aussi, j'ai comme je dis, au World War 2. Et j'ai Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto 5. Je vais aussi faire des vidéos là-dessus, c'est obligé, en plus. En plus, qu'il y a un nouveau DLC qui sort dans pas long. Donc... Ah ouais! Ah ben oui, c'est vrai, je passe la part. Après ça, ouais, après ça, on va tester d'autres personnages. Donc le but... Ouais, mais attends, ouais, c'est pas ça, je sais pas quand les joue pour l'objectif. Mais les gars, je me porte un jeu l'objectif, je suis en train de faire quoi? Je le but, man, c'est d'aller voler des zones, puis moi, je suis en train de niaiser. Les gars, après ça, là on joue genre l'objectif en dessous du monde pour aller jouer l'objectif. Non, en fait, je suis en train de me mettre sur le coup pour voir si mon cœur va encore. Oui, oui, je vais essayer, je crois. J'essaye de voir si mon cœur va encore, mais comment je peux être en vie de bord? Je sais pas, tu sais, on pirate les commandes de la force F. Je sais pas que mon cœur bat pas. Mon cœur bat pas. Ok, on peut coter, on peut coter. Nous avons piraté la station Est. Ça n'est pas prendre en train de coter. C'est ça. C'est comme ça quand je dis quoi. Tu donnes un coup de gun, puis tu regardes. Oh. Oh merde! Mais oui! J'ai même pas pris mon train, j'avais dit. Waouh, regardez les graphismes, les gars, clairement là. Je suis à la station de contrôle de la porte ouest. Piratage lancé. Vous pouvez pas me savoir, mais je parle des graphiques. Regardez juste les graphiques, les gars. Oui, je sais, je suis gossant sur les gars. Mais bon. Je parie que ma communauté, c'est fait des gars. Mais pourquoi ça? Je sais pas. Mais. Ah oui, les gars. Eh, les gars, c'est tout ça. Voilà. Grenade lancée. Oh ouais, j'ai tout vraiment... Bon, on essaye. Cette lancée. Cette lancée, c'est quoi? Oh non, on n'a pas. Eh bien, pour cette reste de vidéo, est-ce qu'il neige dehors? Non, il neige plus. Oh ouais, c'est stylé. Je vais vous donner un petit aperçu. Je vais tester un autre mode de jeu. On est en vaisseau spatial. Donc oui. Bah, évidemment, moi, je suis dernier, hein, moi. Ah ouais, en même temps, le Kylo... En même temps, j'allais dire, le Kylo Ren. Bon, c'est Kylo Ren. Oui, je suis niveau 2, yes sir. On va quitter et je vais faire la bataille dans l'espace. Donc, malheureusement, je peux pas faire de coupure avec la PS4, si je me trompe pas. Mais plus important, c'est que vous voyez que mon écran. Et ça, je suis très content. Donc... quand vous avez vu ma vidéo, c'est une PS4 couleur armée qui allait à Call of Duty World War 2. Et ma manette de PS4 elle est verte. Tantôt il y a peut-être une vidéo Call of Duty World War 2. Après la vidéo, on va faire une autre vidéo sur Fortnite. Donc dans soit pas le mode qui vient de sortir 50-50, on va garder le mode normal. Je vais jouer en mode normal, Battle Royale quoi vraiment. Parce qu'en fait en 50-50 quand tu... Si quelqu'un, ça met l'emplacement de soi, et donc là, du coup, tout le monde l'autre équipe. Alors, en fait, non, en fait, je ne sais même pas si c'est mon frère qui met ça, mais bon.
Il est 20h04. Ouais, en fait, j'ai avec la PS4, j'ai internet pendant 2 jours. Donc, en plus que mercredi, ils vont m'acheter une carte de 1 an, je pense, mes parents. Donc, c'est très génial. Jouer au mode combat spatial. J'espère qu'on va être les gentils, hein. Parce qu'on n'est pas les gentils, voilà, je serai tantôt là. Oui, et pour eux qui. Pour eux qui savent c'est quoi Star Wars Battlefront 2, mais j'ai pris. J'avais le choix entre être les méchants ou les gentils, puis j'ai choisi d'être les méchants. Parce qu'ils sont plus badass, mais en plus, je préfère, hein. Tu sais, en plus, Kylo Ren, Darth Vader, puis tout, là. J'avoue que Luke Skywalker aussi est fort, mais hey, les gars, j'ai testé Rey, là. Et j'ai l'impression que. Hey, regarde, j'ai testé Rey en mode. Arcade. Ah oui, après ça, je vais vous montrer le mode arcade. La vidéo sera longue, mais au moins, vous allez tout voir. Le mode arcade, tu peux être qui tu veux, tu peux être les gentils, les méchants, et. Voilà. Et Rey, elle est plus forte que Luke. Mais du moins, selon moi. Ah oui! On va tester toutes les vaisseaux, mais je commence évidemment par le classique. Ah ouais, le Faucon Millennium. Le Millennium Falcon. N'importe quoi. Okay. Donc les gars, je suis très content. Donc, parce que j'ai jamais testé le X-Wing, évidemment, j'ai que testé une fois ce mode de jeu-là. Ok. Wow. Et regardez ça, les gars. Qui peut dire que ça c'est nul? Mais dites que c'est nul, osez dire que c'est nul. Vous attendez comme. Oh oui! Ah ben oui, du coup j'ai un R2-D2 qui peut me réparer. C'est quoi ça? Les gars, désolé, j'apprends à jouer, hein. Un escadron de chasseurs Y-Wing vient de nous rejoindre. Couvrez-les pour qu'ils puissent procéder à un bombardement en règle. Ah, je peux pas, fuck. Aide-moi! Ah, c'est là-bas, ok, oui, c'est. Bon travail. En même temps, les gars, je vous attends, j'adore vous. Waouh! Attendez! Ah oui! Je peux mettre la vue. Waouh! Waouh, les gars, la vue FPS. Et regardez les gars, on est à l'intérieur. Oh, wow, comment c'est beau. À la base, je jouais à Xbox, mais j'ai quitté la Xbox pour PS4. C'était largement mieux. À la base, j'étais Xbox, c'est mieux. Mais depuis la première fois, j'ai fait un PC, je me suis dit, ah, là, c'est énorme la Xbox. Bon, évidemment, ça dépend du goût, hein. Il y en a qui vont dire, ouais, Xbox, c'est mieux. Je comprends. J'aime aussi l'Xbox beaucoup, hein. C'est une très bonne console, vous voyez. Oh, oh oui, c'est mon premier kill à vie. On voit, ouais, puisque la partie, c'est pas grave. Oh non! Non, donc en gros, ça veut dire, si je comprends bien, que. R2-D2, ah oui, c'est vrai, good! R2-D2 peut m'aider, et ça, c'est génial. Parce qu'en gros, merde! Oui, et aussi, je vais m'acheter Minecraft dans le temps, et avec Minecraft, je vais faire des vidéos. Ouais, c'est normal, c'est un peu but du. C'est un peu but du YouTube, hein, je vais genre, tu peux. Bon, on va tester maintenant lui. On va peut-être se laisser là-dessus, hein, ouais. L'intérieur de celui-ci, est-ce que. Est-ce que. Oui, il est plus rapide. Recherche de défense supplémentaire. Est-ce que. Oh non, je peux pas. Wouah, les gars, ah oui, les gars, regardez, les gars, j'ai envie de faire comme dans un vrai Star Wars, puis tu sais, genre frôler les choses, hein, tu sais, genre frôler qu'ils ont vu. Ouais, parce que moi, j'ai vu tout le film Star Wars. J'ai vu tout, hein, j'ai vu le premier Star Wars. Jusqu'à Rogue One. Moi, Star Wars, là, ça dégage pas. Ouais, en même temps, c'est genre une mise en place. Vous allez devoir neutraliser ce générateur. Oui, les gars, nous, on est à l'envers. On a pas de. Bon, allez, maintenant, je vais arrêter de visiter. On va jouer le jour l'objectif. On va juste du monde comme ça. Non, non. FPS? Ouah, non. Ça peut casse-couiller. Bon, en fait, le truc dommage, c'est que plein de gens le disent, mais c'est que ça nous dit. Est-ce qu'il y a un boost? Est-ce qu'il y a un boost? Non, wow. Ok, ça, c'est le truc à défendre. Sont. Ah, ok, ils sont là-bas.
Et là, normalement, ça va le détruire, non? Allez, non, je raconte que je vais pas détruire. Allez, détruit. Ouais, les gars, en fait, mon but dans cette vidéo, c'est de faire 2 kills avec chaque vaisseau. Et là, on va faire avec le Y-Wing, BTL. On va faire... Là, j'ai fait 2 kills, un avec le X-Wing et avec le vaisseau de... Donc, oh ouais. Est-ce que... Ouais, l'intérieur, il est bon, hein. Mais il est très, très grand, ce vaisseau. Et... Ok, non, ça, c'est un... Ah, cool. Wow. Par contre, il est un peu lent, le vaisseau, mais c'est normal. Ah oui, regardez ça. Donc, aussi, je vais commencer le mode histoire. Donc, déjà, ils sont notre mode à fait. Oh, oh oui, j'ai détruit le vaisseau de Boba Fett. Oh non. Genre, normalement, des vidéos, genre, que je checkais, il était super balèze, puis tout, ça prendrait full de... Ah, non, ça prenait full de... Ça prenait full de... Verrouillage renforcé détecté, évidemment, parce qu'il fait ça. Et oh, les gars, là, je pense que je viens de faire genre une esquive à la paroisse. Hein. Mais ça en approche, mais ça en a. Ah! RPD2! Bon, je me crois RPD2, RPD2, mais je suis en l'envers, ouais, je suis en l'envers, je suis en dessous. Oh, les gars, je quitte pas la vidéo tant que je me rappelle, je quitte pas de. 2 kills avec ce vaisseau-là. À part si je peux être le Faucon Millenium. Non, j'ai combien? Non, je peux pas. Reprends les Y-Wing. Parce que j'ai pas fini, hein. Genre, j'ai pas fait mon kill avec chaque vaisseau. Je termine pas. Oui, évidemment, je teste. Évidemment, je joue au 55.5, mais aujourd'hui, j'avais plus envie de jouer à ça, je peux pas. Allez, ça le bat, attends. Ça le bat, attends. Non, non, ah! On va pas prendre les pistons au cœur, on va pas prendre les pistons. Ah oui, et le feu quand même, mais j'y arrive pas à faire une chance comme vraiment dans le... Ah oui! On va démolir ça. Désolé, attendez, je remets mon écouteur. Parce que, ouais. Par contre, mes écouteurs, je vais me laver les oreilles parce que c'est des écouteurs sales. Et c'est dégueulasse, vraiment. Ouais, la partie sera bientôt terminée, hein. Ah! Vite, vite, je vais se prendre avec un. Avec un. X-Wing, vous voyez, pour faire ça. Bon, c'est la fin de cette vidéo, je pense, ouais, c'est la fin de cette vidéo. Ah oh non, c'est pas terminé, c'est pas passé le mot. Eh, c'est pas passé le mot. Si vous êtes rendu à ce moment-là, je vais écrire. J'ai vu le X-Wing. Ou ben, non, ou ben, sinon vous écrivez X-Wing ou j'ai vu le X-Wing. Ah, il faut nous empêcher de détruire ça. Il faut détruire ça, je pense. Ouais, justement. Parce qu'en fait, il faut les empêcher de se poser. Ouais. Ok. Il y en a qui ont réussi. Moi, je vais prendre l'intercepteur. Parce qu'il est plus petit, donc du coup, c'est plus facile de passer des endroits. En plus, ça veut dire que vous pouvez regarder mon vidéo. Et vous êtes prêts? Maintenant, je vais faire l'esprit dans la Star Wars. Oh, mais c'est de la main. Oh, oui, attendez. Oui, mais regardez, c'est comme t'as dans le temps là, oui, je sais. Mais je ne sais pas chanter. Plus ou moins. Ah, en fait, vous connaissez. Les boucliers ont été réactivés. Je sais, je chante comme un pied. Temps, on a perdu un groupe de chasseurs. Ah non, 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 ok, l'X-Wing n'est plus maniable. En fait, sans juste maniable, c'est ce que... C'est... Ok, on va faire quoi, parce qu'en fait, c'est une excuse pour pas avouer que je me suis démonté.
Et dans pas long, il y a un renouvellement. Je pense qu'il s'appelle Great. Ouais, c'est. Il y a ça en même temps que le film Les Derniers Jedi, donc le 15. Donc, faut que ça va pas être sortir. Le 15, je vous invite à regarder ce film. Il en a génial. Est-ce que c'est un détour? Oh oui, j'ai un petit esquive à la Star Wars. Non, j'allais dire, j'étais proche d'en faire de monter, mais non. Oh, mais non, mais non, mais non. Mais non, c'est pas. Mais oui, c'est pas. La mission n'est pas encore terminée. Encore un effort. 24. Donc, un truc qui se disait, c'est que. Donc, à tous mes amis qui se disent. À tous mes amis qui se détachent Xbox. Pas tout le temps, mais à tous mes amis qui, à qui je parle tout le temps qui disent Star Wars, c'est pas de France, c'est nul. Mais non, c'est pas nul. Le réacteur du destroyer stellaire est dans un état critique. Donc, si vous avez vu l'aide jusqu'à l'heure, vous dites. J'ai entendu la voix bizarre. Ou oh, bah, la voix bizarre. Je sais pas comment, mais. Vous écrivez la voix bizarre. Un truc avec la voix bizarre. Donc si vous avez vu toute la vidéo, hein, si vous avez vu toute la vidéo, je vois que vous êtes des vrais abonnés. Abonnés qui checkent mes vidéos. De A à Z. Bon évidemment, si vous pouvez pas checker la vidéo parce que vous avez vu faire dodo, bon ça je comprendrais, hein, mais voilà. Parce que vous avez vu la vidéo entière. Il y a vraiment que vous checkez la vidéo pendant que vous avez fait. Ou bah sinon vous êtes là, je vois plus. Oh oui, attends. Ah oui. Ah ouais, ça doit être génial ici. Ah, ah oui, c'est génial, c'est Star Wars. Ben en même temps, c'est normal que ce soit vaisseau de film Star Wars. On est en train de jouer à Star Wars. Évidemment, ce mode de jeu il est cool. Donc évidemment, ce vaisseau il est plus maniable. Hein, en fait, c'est une blague, hein, j'appelle un jeu qui est pas maniable. Ah, j'ai plus que l'étoile noire, mais l'étoile noire, c'est sympa. Et après ça, ma fin de vidéo sur le mode histoire, on va faire la première mission parce que voilà, je propose, je joue en mode en ligne, hein. J'avais promis de. Eh what moi je m'avais promis de faire une vidéo sur l'histoire en mode en ligne. Je l'ai pas fait malheureusement, mais écoutez une fois. Merde, non. Je suis en map. Fuck. J'ai cru qu'il y a des ennemis, mais j'ai vu des ennemis là-bas. Où tu c'est. On a gagné, donc c'est une belle fin pour la vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié, donc ben voilà, oh, j'ai un trophée, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et c'était MKSFire pour une nouvelle vidéo.